L'argent que je redonne aux familles sert souvent à améliorer l'ordinaire, c'est-à-dire acheter une voiture avec un haillon, parce que l'enfant ne peut plus être porté et monté dans son fauteuil. Ça peut être la suppression des marches dans la maison avec des rampes d'accès. Ça peut être aussi des soins différents de ceux qui sont donnés pour ce type d'enfant. C'est aussi des activités sportives avec des animaux, l'animal étant apaisant pour l'enfant. C'est une excellente nouvelle pour nous, puisque ça va nous rapporter des fonds. Et évidemment, nous sommes toujours à la recherche de fonds pour toutes nos activités. La radiothérapie flash, c'est un système qui n'est pas encore opérationnel. Les chercheurs de l'UCO travaillent dessus. C'est développer de la radiothérapie de manière hyper ciblée et hyper courte pour traiter les tumeurs cancéreuses, en particulier chez les enfants. Parce que quand on traite aujourd'hui une tumeur cancéreuse chez un enfant en particulier, mais chez un adulte aussi, entre guillemets, on arrose toutes les zones périphériques et ça fait des dégâts collatéraux. Ça dure un certain temps et reste immobile pour un enfant, c'est très difficile. Donc soit on l'attache, soit on l'endort. Et donc on devrait se promettre toute cette situation quand même assez difficile. Ouais.